Hello, bon, je vous retrouve pour l'ouverture d'une box swap, box, 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 avec Sarah, donc de la chaîne, c'est quoi ta chaîne maintenant? La vraie Josie, comme ton Instagram, je sais même plus. Je vous mettrai ça en barre d'infos, sachant qu'elle a tourné, enfin, je vous explique. Avec Sarah, on avait décidé de se faire des box. Quand on avait envie, en fait, il n'y avait pas réellement de date, etc. Et je parle pas très fort, je suis désolée, mais il est minuit, je viens de rentrer un, deux, trois. Je viens de rentrer du restaurant avec des amis. Et du coup, voilà, je rentre et j'avais trop envie d'ouvrir le colis parce qu'il est arrivé aujourd'hui et que j'ai trop envie de découvrir ce qu'elle m'a offert. Donc, voilà. Donc voilà, comme je vous disais, nous avons fait des box et en fait après on s'est dit, comme on était dans une démarche de moins acheter, de moins stocker, etc., de mettre de côté dans une tirelire, dans une enveloppe l'argent qu'on devait dépenser dans les box pour pouvoir se faire un week-end toutes les deux. Et donc au mois de d'août, il me semble, juillet. Je lui ai offert sa box qui était sur le thème. En fait, c'était, on avait choisi un thème couleur pour cette box. Et non, je vous dis des conneries, on n'avait pas choisi le thème couleur. En fait, on choisissait un thème qu'on voulait. Et moi, j'avais choisi le thème couleur. Et du coup, elle a filmé la box quand elle l'a ouverte. Et je vous mettrai la vidéo juste après là. Juste après ce passage-là. Je vous mettrai sa séquence à elle lorsqu'elle ouvre ses cadeaux. J'espère que c'est clair. Du coup, j'ai reçu son colis aujourd'hui. Donc là, on est au mois d'octobre, même à la fin du mois d'octobre. Et en fait, Sarah a déménagé, voilà, a changé de boulot, enfin, elle n'a pas eu le temps de me l'envoyer avant et il n'y a aucun souci, enfin, tu sais très bien, la biche, il n'y a aucun problème. Voilà, notre amitié n'est pas basée sur des box ou des cadeaux, on s'en bat les couilles, c'est sûr que ça fait toujours plaisir, mais voilà, Sarah, c'est Sarah quoi, il n'y a pas besoin de ça en fait pour. Pour que ce soit nous, quoi. Donc, voilà. Elle aurait pu mettre encore 6 mois à me l'envoyer. Je m'en fiche, quoi. Il n'y a aucun problème. Et donc, du coup, pour la petite anecdote, elle l'a envoyé via la poste abusée puisque le paquet faisait plus de je sais pas combien de kilos. Et du coup, elle a été obligée de faire un Colissimo avec signature. Elle a payé, je crois, 25 euros pour envoyer le colis. C'est, franchement, c'est abusé, les gars. Vraiment, faut vraiment passer par les relais parce que la poste il se touche très fort. Alors du coup elle, bon là je filme avec mon téléphone donc je pense que vous allez tout voir à l'envers, je suis désolée mais j'ai plus de batterie sur mon appareil photo. Et elle m'a dit qu'il y avait un thème couleur, donc à la base c'était violet et après elle a pris je crois de la bouffe, je sais plus trop ce qu'elle m'a dit, mais au final il y a plusieurs trucs regroupés quoi, on va dire. Alors, je ne sais pas comment ouvrir. Déjà, c'est trop beau. C'est trop beau ce que je vois. Alors, on va commencer. Ah oui, alors ça m'a expliqué, c'est une trousse de maquillage pour la collègue de ma sœur, puisque on a fait un tri ensemble de maquillage. Moi, j'ai un sac énorme. Et je sais que la collègue de ma sœur, en fait, à chaque fois, je donne à ma sœur tout le maquillage, et elle donne à ses copines, à ses collègues. Et il y a une de ses collègues la dernière fois qui m'a remercié et ça m'a, je sais pas, elle m'a trop touchée cette femme. Et enfin voilà, c'est. Ça m'a fait plaisir de qu'elle se serve de mon maquillage et qu'elle soit contente. Et du coup, la dernière fois, Sarah faisait du tri, elle m'a montré ce qu'elle enlevait, quoi. Et je lui ai dit, bah si ça tu comptes en débarrasser, je vais bien la récupérer pour la collègue de ma sœur. Voilà. Ensuite, nous avons le fameux pantajog. Elle s'est acheté donc c'est du site je sais plus quoi, c'est les ventes en ligne, vous savez, là sur Facebook. J'espère qu'il va m'aller. Je vais lui demander qu'elle me le prenne en kaki parce que moi j'avais pas de compte là-dessus. Et voilà, je suis trop contente. J'ai hâte de le tester, voir si ça va. Parce que c'est super extensible donc c'est cool. Donc, si vous m'entendez pas faire trop de bruit, c'est normal, les enfants dorment, il est minuit et je me retrouve à moitié à poil. Je suis en pyjama, vous me pardonnerez. Voilà. Alors, du coup, let's go. On commence, donc il n'y a pas de petits mots, genre.
je m'as même pas mis de mots à finir, mais quand même. Oh non, c'est des photos. Oh, mes amours. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Oh non, j'adore. Donc elle a imprimé une photo d'elle et Sachou. Sarah et Sachou, c'est une relation particulière. Et une photo de ma mère et de Sachou. Avec Boubou. Non mais c'est trop mignon. Katoche et Sachou, août 2021, aurait. La siesta s'est loupée. J'adore. Et là, elle a marqué ici, maintenant et pour toujours. Merci pour ta patience en tout point. Ton écoute, ta force et ton sourire. Flower Power. Je t'aime. Box de juillet. Lol. MDR. XD. XOXO. Sachou, mon amoureux. Août 2021. Aurait. J'aime trop. C'est trop mignon. Merci, ma biche. Rien que ça, ça me fait plaisir. C'est trop chou. Alors là, du coup, dans ce petit paquet, nous avons deux produits. Deux produits et ça m'a l'air d'être des gels douche ou un truc comme ça. Ah oui, 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 oui. Alors, donc c'est le duo shampoing après shampoing à la banane de Fructis. Je me rappelle pas l'avoir testé. Je crois que j'avais testé le masque quand il est sorti. J'avais adoré l'odeur. Ouais, ça sent super bon. Donc, je vais tester le petit combo. C'est trop cool, cheveux secs. J'avoue qu'en ce moment, mes cheveux, ils sont pas bien, mes cheveux. Mes cheveux, ils sont en PLS. Donc, je vais tester cette petite gamme. 98% d'origine naturelle. Vegan recyclable. Sans silicone pour un toucher naturel. Ok, bah trop cool. Merci, ma biche. Je vais tester tout ça. Ensuite. Oula. Ah, ça, c'est de la bouffe, je pense, non? Je sens que c'est de la graillance. Ah, oui. Alors, attends. Alors, déjà, on a les petits Werther's. Je sais pas comment on appelle ça. Original. Non, mais ça, c'est trop la vie. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé. C'est trop bon, ces conneries-là. Cool. Ah, alors, ça... Les bonbons à la violette comme ça. Non mais ça, meuf, je sais pas si tu le sais. Douceur de Toulouse. Mais quand j'étais petite, j'ai vécu chez mes grands-parents. Et ma grand-mère m'a acheté ça comme bonbon. Mais j'adorais ça, vraiment. Oh, j'en ai jamais remangé. Waouh. Et bah c'est du très très lourd hein. Ouh. Trop bon. Mmh. Oh, ils sont trop mignons. Je suis Primark, ils vendent ça. Des trucs pour la voiture. Des sans-bons, mais je savais pas. Blueberry, raspberry et apple. Mais j'ai jamais vu ça chez Primark. On sent pas par-dessus. Mais trop cool, je suis contente. Je ne connaissais pas, je vais pouvoir mettre ça dans ma voiture. Et je penserai à toi dès que je serai dans ma voiture. Ouais, celui-là, il est lourd. Il est dur. Ah, c'est des livres de recettes petits. On s'en a parlé parce que j'ai fait du tri dans les miens. Mais ceux qu'elle m'a pris, je ne les avais pas. Trop cool. Alors, nous avons la vache qui rit. Nous avons les carambars. Nickel. Crème de marron. Pff, c'est tellement bon la crème de marron. Oh, les sneakers. Enfin, moi, j'aime pas les sneakers, mais Ben, il aime bien. Kirikiki. Et les galettes Saint-Mich. Trop cool, bah écoute, faut que j'ai 10 parce qu'on en a beaucoup parlé justement avec Sarah.
On aime trop les livres de recettes, mais on ne les regarde pas spécialement, quoi. Surtout les petits comme ça. Les grands que j'ai, j'avoue que je m'en inspire très souvent, mais les petits comme ça, j'ai du mal à les regarder. Il y a combien de paquets là-dedans, juste? Oula. Ça, c'est une bouteille isotherme. Ou pas isotherme, mais c'est une bouteille. Waouh! Waouh! Ah, elle est canon! Oh, Primark aussi. Ah, elle garde le chaud et le froid. Elle est trop belle. Regardez-moi cette beauté. 500 ml. Hein. Ah, oui, c'est vraiment isotherme à l'intérieur. Oh, trop cool! Bon, je vais peut-être pas mettre mon café là-dedans pour aller au boulot parce que 500 ml de café, autant vous dire que je vais être en tachycardie, mais elle est trop belle, et même pour l'été, pour mettre la petite boisson froide dedans, elle est trop canon. Franchement, très bon choice. Alors, oula, celui-là, il est grand. Ça, c'est un gel douche d'op. Format géant. Je pense. La forme me fait penser à ça. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, trop cool. Je savais pas qu'il faisait en grand format celui-là. Et celui-là, je crois que c'est mon préféré de cette gamme-là. Ah ouais, franchement, celui-là, il sent super bon. Il est très très sucré. J'aime trop. Oh là là, j'adore. Tout est rose, tout est violet, tout est beau là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Oh, t'es trop mignonne. J'ai son coussin. D'un pas m'a montré ce coussin et je lui ai dit, mais il est trop beau ton cousin, je le veux. Et elle me l'a donné. Je sais pas si tu l'as acheté pour moi ou si c'est le tien. Mais il est trop canon. Et elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé à Action, il me semble, mais moi j'ai pas ça à Action. Il est trop beau et en plus, bon, moi j'adore les fleurs. Et c'est un point commun qu'on a avec Sarah, les motifs fleurs, on adore toutes les deux. Et merde, je vais dire quoi? J'adore. Ouais, ça j'ai déjà dit. Et comme ça, j'aurai une partie de toi dans mon salon, enfin dans ma déco, tu vois. J'aime trop. Il est trop beau. Merci. Trop content. Trop, 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 trop content. Alors, nous avons ceci. Ça ressemble un peu à une palette, non? Une petite palettasse. Yes! Eh! Hey, NYX. Alors, c'était. Donc, oui, je ne l'ai pas dit, mais en fait, le thème de la box, c'était violet. Oui, si, je l'ai dit, je crois. Je suis fatiguée, les gars, je ne sais plus ce que je dis. C'est fatigant, je sais. Et donc, là, nous avons une palette NYX avec des fards à paupières violets. C'est la Mystique Pétale. Waouh, les fards sont canons. Ah, oh, on va pas bien voir, il y a trop de lumière du coup. Mais les fards sont vraiment canons. Genre celui-ci, il a des paillettes de fou, tu vois, ça ressort pas, c'est nul. Ah, oh, elle est trop belle. Mais j'ai hâte de me maquiller avec. Les couleurs sont trop trop belles. C'est la Midnight Orchid. Très bon choix, elle dit très très bon choix. Avant, j'ai. Aïe. Oh, ma jambe défend. Alors, ensuite. C'est quoi un petit. Un petit roll-on, non? Un mascara? Oh! Waouh, mais il est immense. C'est quoi un mascara? Rouge à lèvres, liquide mat, mais il est énorme. Il est beaucoup plus gros que d'habitude. Il a l'air, mais magnifique. Attends, parce qu'il y a l'antivol, ils m'ont collé ça ici, c'est con. Mais putain, faut vraiment être con. Je suis désolée, je prends le temps de l'ouvrir, mais je veux vraiment voir la teinte. Bon. Ah, voilà. Waouh. Ah, le pinceau, je connais pas cela. Ah, ça sent trop bon. Ouais, allez-moi, c'était couleur. C'est tout à fait les couleurs que je mets. Mais alors, carrément les couleurs que je mets. Et c'est les NYX Lingerie XXL. Je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez par hasard? Je ne connais pas cette gamme. J'ai un chat dans la gorge.
Alors ça, qu'est-ce que c'est? Tout va mieux. Tout va mieux. J'espère que tout va mieux. Alors. Qu'est-ce bon? Ah, c'est un petit tote bag bleu comme ça où c'est marqué tout va mieux. Avec des fleurs et des petits cœurs. J'avoue, c'est trop nous, ça. Il est trop mignon et j'aime trop les tote bags, elle le sait. Il est trop choupi, je pense que t'as dû choper ça en vacances ou non. Ça fait très, vous savez, petite boutique quand tu pars en vacances. Ah, et encore un petit truc comme ça. C'est quoi, un petit stylo? Un petit quoi? Il a l'air calme, c'est court. What? Un eyeliner en stick violet. Oh, j'ai hâte parce que Sarah, elle aime bien se faire des traits d'eyeliner de couleur. Et j'avoue que moi, je suis très noire. Très noire au niveau de l'eyeliner. Noir ou au pire, marron. Mais j'avoue que je tente pas trop les couleurs. De base, j'aime pas trop les maquillages trop colorés. Bon, j'en fais de temps en temps. Un peu de folie, ça fait pas de mal. Mais moi, j'aime beaucoup les teintes marron, nude. Enfin voilà, j'aime bien. Mais du coup, là, ça change. Un petit eyeliner violet, là. Oh, ça peut être sympa, je vais essayer. Je vais essayer. En tout cas, merci beaucoup, ma biche. La couleur est très, très jolie. Et j'ai hâte d'essayer. Je t'enverrai une petite photo. Et ensuite, nous avons ceci. Alors, franchement, la trousse est magnifique. Mais vraiment, je la trouve magnifique. Holographique comme ça. Trop, trop belle. Qu'as-tu mis à l'intérieur? Ah oui, 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 oui. Tu m'en as parlé. C'est tout du matériel pour les ongles. Les ongles en gel. Trop cool. Ouais, et après, il y a des vernis semi-permanents. Des cleaners. Il y a plein de trucs. C'est trop cool parce que je me fais souvent les ongles en gel et tout. Donc, trop bien. Mais la pochette, en tout cas, est trop, trop belle. Et ben, écoute, merci beaucoup, ma biche, pour ta box. Ton colis qui me fait super plaisir. Je suis trop contente. J'ai hâte de tester tout ça. Et puis on s'en fout pour le temps que ça a pris pour me l'envoyer, on s'en fout en fait. Il n'y a aucune importance réellement, quoi. On s'en fiche. Je suis désolée, je suis en train d'enlever, c'est pas poli. Bref. Merci, merci beaucoup ma biche. Je vais t'envoyer un message de ce pas. Et puis j'espère que ça vous aura plu. À vous aussi de partager cette petite box avec moi, avec nous. Je vais vous mettre tout de suite le passage de Sarah qui ouvre sa box. Je crois qu'elle avait ouvert dans sa voiture. Je ne sais plus, ça date du mois de juillet. Donc, j'avoue que je ne me rappelle plus trop. Mais dans mes souvenirs, elle avait ouvert ça dans sa voiture. Donc, je vous laisse avec son passage à elle. Je clôture ici, du coup, mais il y a le passage à Sarah. Je vous laisse, du coup, tout de suite avec son passage à elle. Salut les kikilous! Alors si vous voyez cette vidéo, c'est que Nani l'a mise sur sa chaîne. Si vous la voyez pas, ça veut dire qu'il y a que Nani. J'ai pas de chouchou. Bon, c'est pas grave. Voilà. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour la box que je fais avec Nani. On se fait des petites box. On s'est pas dit tous les mois ou quoi. C'est quand on a envie. Voilà. Et aujourd'hui, enfin ce mois-ci, le thème de que Nani a choisi, c'est la couleur à violette, hein, parce qu'on est plutôt à fond sur cette couleur. Ouais, c'est bon. Et du coup, voilà. Et qu'est-ce que je vais dire il y a un truc que j'ai vu, qu'en fait, elle me l'a remis à même propre lors de son mariage. Lors de son mariage, genre en plein milieu de la cérémonie. Non. Je suis montée. Oh, je raconte. Voilà. Donc, ça. On est dans le thème, n'est-ce pas? Par contre, mes cheveux, ça me fait chier. C'est officiel. C'est officiel, mais j'ai qu'une pince, donc les pinces, ça donne pas. C'est pas terrible, quoi. Ça
On s'en fout. Oui, on s'en fout. Donc alors c'est des Vans violettes, donc très bon choix. But, oula. Je n'ai jamais essayé ce modèle de Vans. C'est un modèle assez ancien, si je puis dire. Et du coup, je ne sais pas si ça me va, si ça me va. Mais je vais essayer en arrivant chez moi. Mais je trouve ça sympa avec les petites robes et tout. Elles sont nickel, encore une fois. Je pense que c'est vintage, généralement. C'est vintage. Et elles sont nickel avec des petites robes. Ça peut être trop cool. Et elles sont violettes, quoi. Et j'aime vraiment trop ce violet parce que ce violet, je trouve que ça fait années 90 de ouf. Donc ça n'est pas remis. Donc ça, c'est un grand choix. Nani me refait mes box, mes chaussures. Comme si elle avait besoin. Putain, il y a quelqu'un qui se gare à côté de moi là, casse les couilles. Après, qu'ai-je? En plus, elle va galérer à sortir, elle va me regarder ce que je fais là. Vas-y, ça m'énerve. Nani va faire du montage de toute façon. Donc du coup, ensuite, ça. Je sais ce que c'est. Ben, je sais ce que c'est, je sais le produit. Oh, elle est toujours à côté, nous. Ah, merde, elle ouvre les quatre portes. Oh putain. Bon, je pense que c'est un savon, le petit Marseillais. A priori, lila ou lavande, du coup. J'avais acheté lila déjà. Mais je l'avais trop aimé, je l'ai déjà fini. Donc, j'en suis ravie si c'est ça. Ou pivoine aussi, je crois que c'est les. C'est lila, non? Oui, c'est lila. Et je suis trop contente parce que. Un délice. Un délice, mais vraiment. Oh là là. J'aime trop. Surtout en ce moment, dans cet été là. Je suis trop honnête. Je me mets dans la petite poche. Hop. J'ai failli lui acheter pour elle en plus. En fait, j'ai failli faire le même thème de box. Même si ça va. Ensuite, non, il y a une nouvelle, ça d'abord. Il est trop joli ce sac. Moi, il est un peu scrabouillesse parce que bah, du coup, il était dans ma valise. Et il y a des petits paquets dedans. Ça, je pense que c'est un carnet ou un livre. Mais qu'est-ce? Ah, trop bien, Kikinou! C'est le. Alors, je sais pas si vous avez suivi les filles, la team hein, m'ont offert les cartes de tarot pour mon anniversaire. Oui. Mais il n'y avait pas le descriptif. Enfin, le. Je sais pas comment on peut dire ça, mais ouais, comment faire quoi. Et du coup, je pouvais pas m'en servir parce que je suis novice. Et donc là, il y a tout. Vous voyez ce que je veux dire? Les. Comment on dit merde? Ce que représentent les cartes, leur position, etc. Donc je trouve honnête. Je vais pouvoir m'y pencher. Bon, du coup, on n'est pas sur le thème violet, mais c'était l'exception qui confirme la règle. Vraiment, tu déconnes, t'aurais pu prendre un. Mais c'est trop bien d'avoir pensé, Kikino. Merci beaucoup. C'est vrai que je ne me suis pas penchée, moi, du coup. Forcément. Sans. J'ai vraiment une tête, hein, mon dieu. Sans guide, c'est un peu compliqué le tarot. Donc là, on est sur un flaconas, soit brume, soit pour les cheveux, un truc comme ça. Ça fait trop plaisir. Ça va être à la lavande. Ah putain, je suis trop contente. Elle sait que j'aime les trucs comme ça. Donc c'est de l'eau florale pour se faire un pit pit pit. À la lavande. Et je suis trop contente parce que j'adore ça. Il est où? Oh là là, ça me détend. J'ai l'envie d'arriver chez moi, de me le passer sur le corps. Trop bien, je suis trop contente. Là, on est au top sur le thème violet. Je suis trop contente. J'adore ce genre de truc. Oh, suite. Hop. Là, on est peut-être sur un combo de rouge à lèvres ou de petit mascara, je sais pas. Il a de ça. Rouge à lèvres, a priori. Petit rouge à lèvres NYX. Putain, j'en ai pas des comme ça. Attends.
m'a collé au doigt. Je les connais pas, ceux-là. Mais c'est noir, ça? Non, je sais pas. Attendez. Ouh, oh là là, mais il est trop beau, celui-là. Regardez ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de rouge à lèvres raisin. Non, mais la folie. Je l'aime trop. Il est trop beau. Pour en ce moment-là. Avec mon teint qui s'est un peu hâlé. Ah, merde. Je sais pas du tout leur tenue, leur truc. Je sais pas du tout s'ils sont bien. Mais en tout cas, ils sont fort... comment on dit? Fort coloré, comment on dit? Pigmenté. Et crémeux. Donc ça fait trop plaisir. C'est trop bien. Et ça, ah oui, c'est un violet très foncé. Attends. Je crois que je l'ai, mais dans un autre format. Attends. Non, mais j'adore. Et ça, c'est le genre de couleur que Mélanie de la chaîne Happy Together 17 adore. Mais je sais pas si. Oh là là. En fait, c'est un prune aubergine. Très très foncé. Et ça, au contraire, à contrario, pour l'hiver, j'adore. Et je les connais pas. Je sais pas si ils sont pas sans transfert, ceux-là. Je crois pas. Mais trop agréable au. Oh là, j'ai tellement de rouge à lèvres. Il faudrait que vous voyez ça. C'est incroyable. Mais là, au top, Josie, il y a de tous les thèmes. C'est trop bien. Trop gendarme. Non, mais celui-là, il m'épate, attends. Je m'en fous partout, je sens. And the winner is. Ouh là là, il y a de la fleur et du violet. Et du chine, un peu. Je trouve d'autres, j'ai pas vu. Oh, non, mais elle me connaît trop bien. Cette meuf me connaît trop bien. Regardez, c'est un petit t-shirt tout net avec, oula, avec les petits boutons et un peu court parce que je l'ai mis avec des robes. Il est trop beau, je suis trop contente. Je suis trop contente. Tu me connais trop bien. La forme, tout. Parce que vendredi, je crois, quand j'étais avec elle, j'avais un haut comme ça. Enfin, de cette forme, quoi, je veux dire. J'aime trop, je suis trop contente. Il est trop beau. Il est trop beau, t'as trop bien choisi. Merci, Kikinou. Bon, du coup, moi, j'ai pas donné ça. En fait, on est genre, on est vers le 26, 7, 8 juillet. Et elle aura sa bosse que début août. Donc, la vidéo va être décalée, mais c'est pas grave. Vous le saurez pas. Moi, ça passait pas dans le train. Voilà, je suis trop contente, mon kikinou. Merci beaucoup. Bon, voilà, du coup, vous avez eu nos deux parties de box, son ouverture, mon ouverture, mon ouverture, son ouverture. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous disais, ça nous arrivera de faire des box, voilà, quand on aura envie. Mais c'est vrai que là, on veut se faire un week-end toutes les deux. Donc on préfère mettre cet argent-là dans le week-end qu'on va passer ensemble plutôt que dans des cadeaux, dans des achats l'une pour l'autre. Donc merci encore à toi, ma chérie, pour tout ça. Tu sais déjà tout, donc voilà. Je te fais plein plein de gros gros bisous. J'ai vraiment trop hâte de te voir. Et voilà, j'ai trop trop hâte, trop hâte. Je vous fais plein plein de gros bisous à vous aussi. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!